Merci de nous suivre dans MKB officiel. Merci de nous faire confiance et merci de rester toujours connecté, branché. Bonjour, si vous avez un support rebellé, tablette, téléphone, écran, vous avez un moutouka aux partout. J'ai le devoir de vous remercier. Merci pour le partage. Nous avons besoin de partager nos vidéos. Merci na ko s'abonner parce que wana zala ka demande nanga ya liboso. Quand vous regardez cette vidéo, en tout cas, et loko ya liboso, tala soki aux abonnés, soki aux abonnés te na bondelio s'abonner nan aimer vidéo na biso, commenter yango, eza ba demande. Mais surtout le plus important côté langue au mon côté partager vidéo na motomosos par votre canal on peut aussi avoir batuba koki koza la pub à fan ya chaîne na biso tu peux le faire et allez demander nangai merci bande ko nga bozola nangai bisika ebele pardon solo au président otanga ka biso biso te biso na chaîne pour landa kayo to partager te na Boza ebele bande konanga ke na pese communauté congolaise même bazaba congolais te tout le monde balanda kabiso merci pour la confiance et la fidélité pour botali sur la chaîne abiso MKB officiel tala le long de tous invités c'est grâce à vous comment ne pas vous remercier pour la nyonso bozali ko sala pour na biso bande konanga to kolobe na bino lelo complications délai ba pesa qui n'a pas confession religieuse et pas citoyen bosso je crois boyoki yango mais non seulement ça mais aussi il y a un problème beaucoup la nango na réflexion elelo Kamere joue quel jeu finalement bon comprendre que Kamere a changé de sous-sous INC comme Mukanda na mukanda wana bango bazali partie prenante na désignation directe te ya ba membre na bango mais bango bazali ko senga large consensus autour ya ba réforme c'est-à-dire INC a boipe makambo ya seni tozokende wapi battu le que boyer à Ken à Lombango, vitesse de croisière pour lui, c'est Tshisekedi qui est leur candidat en 2023. Voilà au moins le lingue politique qui a Mbokanabiso et Zali Kokiende. C'est autour il y a si je vois Nandé, mais n'oubliez pas aussi que non, le président de la République a Yambaki, délégation il y a étudiant Oyo. Ya inikin ndi ba utiko boma ndi ko mobali ya tiki mukili oyo tomone pe gouverneur ya ville Jantini Ngobila ayambi pe fami a remettre bango 10000 dollars a lobekenda ko salisa matanga me ba étudiant ba singaki na président pote ameka kolongola nzoto ya ndi ko anekinde na lusambu na Sankuru, on est allé entretien, mais le président a s'impliqué personnellement pour te bameka ko résoudre likambo ya ndeko wana ke ba to oyo bazali simalanga bwana basamba bavana ko tamakambo ya sene na bakamere non seulement ke babomi muto étudiant wana mais na bandal policier mususu abomi pe moninga na ye policier kaka pona kashine tolongwe wana toyoko mona awa na mbujumai na marché Ojasimis Oja David pardon policier bomi pe muntu kaka pona kashine. Alors maintenant je réfléchis avant na kota makambu ya seni pona ko interpeller ba dirigeant ko c'est trop. Je pense qu'il faut que tu aies ordre. Na bato to zale ko pesa basimba manduki na maboko parce que la vie humaine est sacrée.
Une question reste à poser. Lo lenge nini ba rekrita kabatu na la police. Ou bien la police est comme un lié ya ba voyou ba délinquant ba bazar raté ya société. Na koki ko ebisa bino exemple bande konangai. Na lobaka même na bitando eke ebele pona jengal kasongo. Moi j'ai vu quelqu'un qui était kuluna qualifié. Akata kabatu ba machete akipakate. Lors d'une cérémonie, je vis le monsieur à Bongwani, a commis soda, a commis policier na arme. A Bonginga une affaire il y a 3 mois. Depuis quand balaki siye, depuis quand ba intégré na ba code de bonne conduite directement simbi arme. C'est lui qui tuait les gens avec des machettes faciles. Pour être habitué à s'habituer à la maquilla, est-ce que pour tuer, il peut réfléchir 2 ou 3 fois quand il a l'arme? Quel est le préalable, les conditions où est-ce que c'est que Moutou a comme enrôlé dans la police? Parmi les faiblesses, tu as enrôlé dans l'armée. Tozo armé moko formé boyete depuis Bandeko Yafdele Bakoute Lebiso Aou. Tu as l'armée à milice. Bato 5, Bazali, Soki Kaka, Bayo Kanite, Basimbi Mundu Kinabango, Okomonao, les ADEF, Oboe Naboe, Maïma Yakutumba, Maïma Yakoyita, Alongera na machete Mbalamogo général. C'est ainsi comme conséquence, bon, comment on est infiltré et l'armée et Kokosela Moussa parce que Bato Baza qualifié Bazate. Nous ne sommes pas à Kosala copier-coller Nao Bandego et à FCC Bastela pendant 19 ans. C'est le président de la République, il est au grand temps, qui a quand même remettre l'ordre dans le côté. Le lengue babavir partout au monde des alliés, mais où il y a des alliés amateurisme. Prenez par exemple Kasongo, il y a un policier qui a un brasserie qui a vert. Batangi code de la route T. Matiki bango bando kanga mituk. Nga moko na zo kumba na zo ya. Moko abengi nga na ye. Moko a telebisi nga na sena s'engage. Donc bazo ya bate keske code de la route. Mais batye bango. Bazo kote na ba mituka. Bazo fela désordre. Mais comment peut-on amener unité moko bo yasika na nzela. O bazali na qualification ya moussala wana te. Soke zaka pone kuraka bako pute. Et d'ailleurs, nous devons nous poser la question sur le rôle vraiment exact que joue le général Kasongo. Est-ce qu'il est vraiment compétent? Si Maya Batunyo soit na Bakufi, attends mon tour, moi quoi, démissionné à Zate, attends mon tour, moi j'ai sanctionné à Zate. Mais comment tu commences comme moi comme tu commences ça, ma bé malam, hein? Donc ma bé est ça malam. Ça n'impressionne personne. Dans un laps de temps, les policiers tuent à peu près 5 personnes. Il n'y a ni inquiétude, il n'y a ni démission, il n'y a ni sanction. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? D'ailleurs, les responsables tombent. Voilà moi en bref ce que je pouvais. Quand a un dossier, wana. Mais toujours c'est là que nous autres, et bon, nana. Bakende ko kondango na kimia itozo senga que l'état congolais yé mokolo policier ayeba na kozwa pe libota wana na en charge, mais je pense que il est grand temps ba meka ko revoir ko refaire dolenge ya kokamba mboka, parce que quand je regarde ndenge bakambo zo kende ekope sanga passe okoleka boyo ngobile taye. Bato bandeko tcha fanatisme, quand je vous disais que makambo zo kende mabe oza contre président yo zo kota mboko minute mutu ala muka lelo par exemple toza pina likambo ya zan 35 000 kinois bientôt là. Est-ce que bino boza ka peut-être boza na Kinshasa be boza hier? Est-ce que bobi ke ti lelo na Kinshasa kaka kobuka zandu ya pam bako kobuka te
kotongana ne bat atali banga batete kobuka ka ko demwe et puis soki bazala ki mayele beton wana ta ba beton moko belle jatika soki ya ndenge ni mais balingi baloka toujours un plan lo lenge ni ni même au désir ba monter hôpital à cinquantenaire alta yabora manger mais ndenge ba moderniser yango bazwa kaka les mêmes bâtiments ba tie ba fond qui dit ça ba kou et salami et salami. Mais ce n'est pas le cas. Na makambi soto zali komona na na bande ko wana. Donc ezali ko pesa biso passe. Pilelo. Mais pour dire ndaki koloba et puis baye ko yebisanga ba lobby ba société nyonso bazoya. Mutu nyonso zo bangela mbongo na ye parce que na wenze marché wana na 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 nini santa na marché central les agen non Hassan Azaki déjà contrat na ya moyibi ya mabe ya bondoki mais malgré ce contrat là Hassan a bâché ba clause au l'état ko se dédouané té il a gagné l'état na ba niveau nyonso. Quelle est la conséquence? Aboye ko tomboka parce que ça n'a pas intérêt mike mike awa ba ko compliquer ndati kinan. Mais ça jugement na mabou. C'est-à-dire que mutu nyonso ko yepo atonga place 1. Aye bakaka ke no azo tongela san. Or un investisseur sérieux a ko ki jamais ko yoko tia mbongo na isika ya conflit jamais. Ce qui a fait comme le kwani lali depuis Baba Ndiata Kobuk. Mais est-ce que Kolinga président, c'est contre les Congolais. Tout ça, non, mais bande konanga to to miyo kamawa. Donc to to mitala nana miso to le banaka vérité. Et aujourd'hui, bato miyo kutelengana. Et aujourd'hui, bato bazana passe. Personne n'en parle. À grand projet one. Est-ce que le président et c'est là qui madame wa kende na eloko one. C'est ce que nous disons. Et mais le président c'est lui dire la vérité. Hein? Le long na uta kia ombujmai. C'est na la qui s'agit mino bilil. Na kenda kiti na kabe ya kamwa. On était ferré ça à l'ingi pa kende gona. Na la qui s'agit mino et tambo et c'est là qui. C'est très important. Alors, revenons à la sujet principal de Nabiso. Qu'est-ce qui se passe dans Makambo ya Seni? L'obito soyez là qui est Nabino, tout est là qui est niveau ya blocage. Na ça la rappelle encore. Blocage et Zaliki. Bakéi. Na niveau ya Seni ba trouver consensus té ba trouver consensus té je vais vous la vidéo na ko chele mina katikati eza quelques minutes oyo dodo kamba maintenant oyo azali ko kamba bande comme sous pour la confession à lui 8 dodo kamba a expliqué l'article bon on a une interview et les maths occupés ça du nom je crois dans quelques chat même vers la fin dans ce chile bolanda yango alors consensus se retrouver te nde bakei na vote na ngina bande le likambo troisième fois qui nazo levela yango. Ezali des modes ya kozwa ba candidat na Seni. Consensus o ezali mode souhaité na bato nyonso. Elingi kodobani moto na moto atiki candidat o ezala kina ye moto andimika boyokani a l'unanimité. Moto tel akobima. Soki boyokani te na consensus. Kaka le même règlement na bango et lobby et sengeli balekana vote. Donc vote, soki bake na vote ba péché te bazaka kana ba règlement na bango établi à ba confession religieuse. Mettons-nous d'accord.
Mais ceux qui baquaient un vote, ils ont la confession mon côté, oye voix na ye comme à deux voix t. Donc dengue baza 8 est égal à 8 voix. Mettons-nous encore d'accord. Ndenge bakey ba voter tant qu'on s'en souvient quand il te met bien assimé va voter 6. Hormis parce que confession religieuse bazaka kana mutu mo côté bazana D président oyazali na moko akozala na membre ya plénière. Et sengeli pe ba parti politique to ba regroupement politique batinda pe ba candidat na bango pour te kende malam. Alors bon mona kitango ba ba ke ko déposer SSC na église catholique bango ba boy. Et je vous ai rappelé lobby ce que landa ke mission lobby te Zonga atalo bien talé mission wana na lobaki ke na finale po ba candidat ezala ki ebele bon kaka bango na commission na bango nde ba yebi quel critère bande ko c'est la ba candidat mususu Hervé Jacques c'est Paul Sapu oya pe perdo yo nani tatoza la kanango bile mingi mingo ya barombo a député wana bimwala. Bat baza ke bele 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 ba kwei ba yekoti kala kaka na de candidat nde ba kei oyo kote mubulu bibela ki Cyril Botoko qui était le candidat ya SSC mais finalement tango oyo ya catholique azu mukatu nde ba yesuko koyo kozwa catholique ba yo kani basali front pona kolimisa Cyril. Les 6 autres confessions religieuses, Bango Basseli de voulu parce qu'il ne va confirmer combo anate, mais entre les coulisses, Bango va choisir Kadima. Alors, SSC na catholique va lobby te Kadima, candidat Yamabe. Il y a bien, pour être la crédit, force la kaka botoko pour y outina SSC. Si ce moussou balobi, jamais biso to zonge la yangote, toto sali moussali na biso nde toke kotik. Et vous avez vu comment, à la fin, et le 6, parce que là qui récit par citoyen Mbosso, et le 2 confession reçu aussi par citoyen Mbosso le sous. À la fin, et c'est que le mot soit tranché. Pour le mot, il faut continuer. Ninyango et Silite. Le citoyen Mbosso a y a tranché. A tindé le bango. PV. Le bozonga dans le quartier de Bogon de Koyokan. Lobby n'explique qui n'a lobby. Bazongi si bango te. Pour Bakende de Koduka, le sous vote à zéro. Va se mettre d'accord autour. Il y a PV. Mais bah, si so mukoba lobi biso musale sili etikali kaka de wana ba yako signé les deux autres balobi et koki koleka ndenge wana te tokoliga obligation donc nous allons au jour d'aujourd'hui le délai tel que donné par l'Assemblée nationale 48 heures qui expirer boyokani et kozala te. Toko kende wapi. Toko kende wapi. Maintenant, allons-y. Tango zo expiré. Est-ce que tozo linga élection réellement na komi koloba non. Peuple congolais, bako saka bino na ba politicien. Bako saka bino. On ne vous dit pas la vérité. Tokende moko na moko. Lobi na ibisa kibino na mission na ngai. Avane simba ya kamere. Bota la Martin na muzitu. Martin Fayulu akeyi a souscrire na eloko mokizale ya front anti-glissement. Se sanga
et l'ingoye azaga na suge bele na mutu wana vieux sayo tala bagay na front après tango balongo na bagay na front mozitu ki avec lui na nini na ye na ba sorti na ye azo senga masolo azo senga dialogue autour ya ba réforme. Donc même na kati la muka el fayu na mozitu bazana lo lenge mo côté. Et de l'autre côté, Vital Kamerhe a salué sorti naie. Lo kanyingi ni king, mobali ya batu ya mama Amida. Monsieur Mbodoli bazana centre nganda. Prisonnier le plus célèbre. A lobby pour na papa Kamerhe ndenge zawana lolenge makambo ekei na niveau ya seni ezali malamu te. Il remet en cause yo ke soko majeur politicien congolais l'INC qui a participé na débat na assemblée. L'INC qui a fait que tous les débats, ma personne, ma proposition. INC a zakouton un membre na commission PAJ. A boyi, a lobby pour lui. Oyeleki, il faut que tozongé la large consensus, c'est-à-dire un. Tout ce que la CENI a fait autour, il y a loi organique, nous se débattons qui dans l'Assemblée Wana, il faut qu'on barre Yango. Ah. Kolongo la Yango, donc, babande la ko débattre loi organique portant fonctionnement ya CENI. Oyo non seulement que c'est là qui débattre au niveau de l'Assemblée et qui est dans la Cour constitutionnelle. Et hier, vous avez promulgué par le président de la République, Balobi Bongote et Sengeli Kobandela zéro. Et Sengeli Kobandela à zéro. Alors, Kamerhe qui est censé être à Zana gouvernement, alors ce qui est 3 ou 4 ministres, mais de son côté, il trouve que non. Moi, exacte, et Sengeli Bazongé la zéro. Pour avoir les élections en 2023, Mozito, il emboîte les mêmes pas. Tantôt front anti-glissement, tantôt Masolo. Et pour Vital Kamerhe, et Sengeli Kobandela, Biloko Nyonso. Donc, débat, Esalem. Et maintenant, cette fois-ci, à l'obité que Esalem en a parlé mal, l'obit, large consensus. Ah, oui, pas. Pour le français, vous comprenez, le français a consensus, consensus, consensus. Bonjour, le français, madame, consensus, consensus. Ah, quand il y a eu ça, mon consensus, c'est la moukina Congo. Quel est l'objectif? Société civile de Haru, Bissot, les ressortissants de Benedjibel, les sociétés civiles forces vives de Kenge, et Koya Bakotonda, Bakotonda, Perdjem, Souka Souka Bakoyo Kanate, Longola, Tcha double nationalité, a retiré le droit de son côté, donc et cause la poto, poto Yako Sakanate. Mais je ne sais pas si la carte de sécurité, je ne sais pas si je suis en train de alors. Parce que je suis en train de acheter, qu'est-ce qui arrive? En fait, Kamerhe ne cherche pas Masolo comme père de sénité. Kamerhe a un dialogue. Parce que lors il y a dialogue, il n'y a pas de problème. Comme on a dit, il y a un bloqué à Bibi. Société civile, il y a Haru. Quand la mère de la Guap, il y a Bukavu. Les forces de vous, nous, les forces vives de Bukavu. Et tant à
entendu que notre président Vital Kamerhe a fait azoluka cadre moko yaba ya koposé kanaye. Et les musulmans et les autres, je ne sais pas ce qui en a là, mungongo na bango koyoka na nakatiwan. Parce que tant que bozoluka masolo, il faut que vous contrôlez la dynamique interne. Maintenant, tous ceux qui ont une élection, tous ceux qui ont ma solo, notre peuple n'a pas besoin de conseiller Mbila encore. À l'heure actuelle, il y a des politiciens, mais notre population a besoin d'alternance avec alternative. Et Kamerhe a lobby à Silici, il rejoint le peuple perdu. Le feu cessé pour bien dire. Feu cessé à lobby, bango, parce que au moins, na lobby, ce qui s'est ni président Yeban, et Sengele Pen, na lombango, ba membre moussous, ba kota na ba composante moussous, ba Yeban, Pen, na lombango. Mais vous allez constater que na lo lenge oyo makambo ezali koleka esengeli pe ba membre ya ba regroupement ou bien ba parti ba koteka pe ba candidat na bango FCC FCC ba lobby po na bango ba kokite alors te kotika ba candidat na bango aussi longtemps que ma confession religieuse n'a pas eu canité. L'ironie du sort, quand on fait cesser, quand on dit il ne faut pas utiliser leur méthode. Mais ce que l'on dit, au fil, même à Gamboa Lobby, au fil à Lobby, il y a des députés à Gagnaki, mais Mina qui est mout. Bagayi ba lobi ya bi maté. Ba zo ko kola pe na TV quoi. Mais l'actuel régime ne peut pas utiliser de telles pratiques parce que pratique ba to ba ko fele changer yango wan et ko zonga le soutien. Ils ont bloqué pour na bango. Ma camboyo, tout ça dit Kolobela, et ils ont ni aidé ni le fait. Et il le grand temps, Bango, Bazelana, de leur côté, Baye, Banan, ceux qui m'ont confié le léger, et Yokan, Vital Kamerhe, qu'ils ont dans le gouvernement, ils peuvent rejoindre la position à Bango, à Lobby, il faut qu'il y ait un consensus. Et puis le Bango large. Donc cette histoire, elle la garde dans le cadre purement institutionnel, mais il me peut libérer à l'institution. C'est ça. Et en entretemps, Mikolozo Kende. Alors, dès que le large consensus français, on est là, il y a Pambate. Français, on est là pour Nakoluka. Le lenge nini, baye baza libanda, ba kokota nakati. Donc, on a un consensus, yango wan. Ba kousa la table ronde, oh, biso tonibu, oh, pona yango le kousa la malamu, fo wotinda moutoumou, fo wotsa la boue, c'est le loko ba zo luka. Na ba monsous, ba zo lenge ba kende na 2023, ba mouné za pemben, la rezate, pona campagne consort, donc il faut battre, c'est ça l'enjeu. Bon, en français, bonjour. Donc, tout a bloqué au niveau de la CENI. Mais 48 heures expiré, le lot, de Tokomona, suite, il y a le lengeni du Makambo et Zaliko Kende. Mais chaque force, et Zaliko Jouja carte dans le lengeni du Bango. Quand on recherche, beaucoup de ce dialogue, on a un dialogue, on a un Makambo à CENI, on a un Makambo Yao, et le choix de l'inclusive, et même à Batunios. Si vous avez un moutoyo, à quoi qu'il y a comme ma problème naïe, INC, société civile banane, lobbying, vous savez, non, dans le cadre du dialogue, et c'est un gélibabi, mais ça y est,
Donc il y a zota la intérêt naie d'ailleurs les bossos pour makambo ya goma bobo sanate kino il avait déjà parlé na lolenge wana kino azo senga bato ba fanda ba solo. Mais sort il y a peuple les années venir. Mais ben bazolo bana yete chairman. Tabi makamba kamune wo bozongi selanga ba vieux nanga mais ba vieux ango ezape na kinga kati kendo zongo Jean-Pierre. Kabila chango restaurant. Hein côté oyo ba tie biloko ya mipepe ku matali ko lowan. Avion za kuna. Hein? Eh. Kabila esprit ana olive. Avion za kuna kinga kati ba chango restaurant zongo ezu yango. Mbato ba kati ba moteur, je sais pas ce que ndengeni. Mais lui au moins azo le batte. Kimia chairman, yaga makambo lo chocho na yo, mapango na ngai, eh. Il y a 2023, il y a un salaire qui a été fait. Il y a un salaire qui a été fait. Il y a un salaire qui a été fait. Il y a un salaire qui a été fait. Il y a un salaire qui a été fait. Il y a un salaire qui a été fait. Il y a Oh, Seni, oh, juste même Bazolo. Qui m'y a pongé à ma bébé? Pongé à ma bébé. Yo, yo, baguette. J'ai la taille, je ne peux pas me faire la française. Il y a eu la française. Oh, Nani, tu m'en es prêt? Bah, tu le quoi, bon? Guépé. Mbalamoko, Fati, Aza candidat, naïe, na 2023. Débat, il dit, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de candidat. Non. Bachelou Kwebo, à cause de la candidate. Candidat à FDC, Nabantonio, Sonabalien, Nabango, et Zali Félix Tshisekedi. Donc, Bango Makambuyao, token de table ronde, token de consensus, et Ali Bangote. Jean se prépare pour 2023. De l'autre côté, vous allez me retenir que vous êtes tous les lélo, toi en réalité, nani, oyo ba kobimi ça. Parce que confusion l'équipe m'a cassé. Nana koutique la moninga, entre eux et banate. Moi je vais vous laisser d'abord comme dans la kakibino keno, beaucoup dans l'interview, oyo ya ba confession religieuse, bolanda lo lenge nini. Baza 6. Dodo Kambabimi, je crois qu'il va voter, il y a mis monsieur mon côté, porte-parole na Bango. Bango Nyonso 6. Ils ont tenu à éclaircir Bato. Dans le contexte flou, toujours le Kelalelo. Et Moko na Moko a commis à tiré leçon. Il y a Makambo Balobaki. Si je parle le même langage, la technique, on suit, on revient pour conclure notre émission. La charte qui régit notre plateforme, je suis très content. Mais il faut aussi dire que l'article parle du mode de désignation ou encore la décision à prendre qui part du consensus pour réciter au vote. Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois quand vous parlez, vous n'avez pas trouvé consensus. C'est-à-dire, ne parlez pas de cette façon-là. Dites, vous n'êtes pas arrivé à la désignation. Parce que désigner n'est pas forcément passer par le mode consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer. Mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit de cet article, qui dit... qui parle du vote. Donc, jusque-là, c'est comme ça que je dis, nous sommes ensemble, nous restons dans les règles de notre charte, que j'appelle, moi, la lettre de convention. Ce n'est pas l'article 17, c'est l'article 18. Il faudrait les lire, parce que nous le maîtrisons très bien. Et je vous ai dit hier, et je reviens sur ça, et pour vous rappeler ici, il ne faut pas dire que nous n'avons pas trouvé la solution. Nous avons trouvé la solution. Nous avons travaillé. Et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons vidé cette question. Ces questions que les autres se rejoignent à nous, on puisse travailler ensemble comme
il a été question, parce que nous avons presque vidé la matière, les sujets à l'ordre du jour. Donc, c'est question de compléter les restes ensemble avec les autres. Et c'est ça. Donc, on ne recule pas. On a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire. En grosso modo, nous sommes ensemble, nous avons fini le travail et il ne reste plus qu'à trouver les voies qui consolident l'unité dans notre plateforme et on travaille dedans et nous encourageons plutôt l'approche du président de l'Assemblée et qui milite pour l'amour, l'unité. Ce sont des choses que nous prêchons et je pense que ça ne nous échappe pas. C'est juste question de rappel, on est ensemble et on ne va pas reculer. La charte qui régit notre plateforme, je suis très content. Mais il faut aussi dire que l'article parle du mode de désignation ou encore la décision à prendre qui part du consensus pour réciter au vote. Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est que à chaque fois quand vous parlez, vous n'avez pas trouvé consensus. C'est-à-dire, ne parlez pas de cette façon-là. Dites, vous n'êtes pas arrivé à la désignation. Parce que désigner n'est pas forcément passer par le mode consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer. Mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit, de cet article, qui parle du vote. Donc, jusque-là, c'est comme ça que je dis... Nous sommes ensemble, nous restons dans les règles de notre charte que j'appelle moi la lettre de convention. Ce n'est pas l'article 17, c'est l'article 18. Il faudrait les lire parce que nous le maîtrisons très bien. Et je vous ai dit hier et je reviens sur ça. Et pour vous rappeler ici, il ne faut pas dire que nous n'avons pas trouvé la solution. Nous avons trouvé la solution, nous avons travaillé. Et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons vidé cette question, ces questions que les autres se rejoignent à nous, on puisse travailler ensemble comme il a été question, parce que nous avons presque vidé la matière, les sujets à l'ordre du jour, donc c'est question de compléter les restes ensemble avec les autres, et c'est ça. Donc on ne recule pas, on a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire. En grosso modo, nous sommes ensemble, nous avons fini le travail et il ne reste plus qu'à trouver les voies qui consolident l'unité dans notre plateforme et on travaille dedans et nous encourageons plutôt l'approche du président de l'Assemblée et qui milite pour l'amour, l'unité. Ce sont des choses que nous prêchons et je pense que ça ne nous échappe pas. C'est juste question de rappel, on est ensemble. Et on ne va pas reculer. Moi, je crois que je n'aurais essayé de vous répondre à partir de la manière dont vous avez chuté dans votre question. Le plus grand problème n'est pas sur le choix. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un grand débat autour du choix qui n'a pas trouvé l'unanimité. Le plus grand problème que moi, je trouve que la question que nous devons résoudre, c'est la question de dépolitiser les confessions religieuses. Je crois que c'est là où il y a des débats. Aussi longtemps que les confessions religieuses ne seront pas dépolitisées, ce problème ne sera jamais résolu et nous aurons toujours un couac à ce moment. Et je crois que, pour la mémoire, je crois que vous êtes journaliste, vous êtes dans les médias, faites des recherches. Combien est-ce qu'on a essayé de faire les remue-ménages au niveau des confessions religieuses pour ces échéances électorales, n'est-ce pas, qui concernent la CENI? Vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'ERC, Sonny Kafuta a été débarqué. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'ISC, le Monseigneur Zim a été débarqué. Vous savez ce qui s'est passé au niveau des musulmans, il y a une cacophonie. Vous savez ce qui s'est passé au niveau des kimanguistes, au niveau de tout le monde. Vous allez vous rendre compte que les hommes, les confessions religieuses mandatées pour élire le futur responsable de la CENI, il y a eu toute une machination, un ménage. Moi je crois que nous devons, les politiques doivent se désintéresser. Les politiques doivent laisser main libre les confessions religieuses. Pensez-vous pas que ce débat est intervenu à la suite à la rumeur que l'église catholique et l'église du Christ au Congo voudraient vraiment s'approprier? Écoutez, moi je fais partie des églises de réveil, mais j'aimerais saluer, excusez-moi, en tant qu'un homme de Dieu, j'aimerais saluer cette solidité, cette ténacité et cette personnalité de ces deux confessions religieuses, de l'église catholique et de l'église. Ils peuvent avoir une tendance,
je n'exclus pas. Mais laissez-moi vous dire, ce sont les deux confessions religieuses qui n'ont pas pu être pénétrées pour être déstabilisées. Moi-même ici, j'ai fait partie des églises de la République du Congo, je sais ce qui s'est passé à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous êtes un journaliste, vous pouvez faire l'investigation des recherches, et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ces deux confessions religieuses qui sont solides se rendent compte qu'ils ont en face à des hommes qui sont et à des personnalités qui sont égales sur le plan de leur charte qui les unit, mais néanmoins, il n'y a pas de crédibilité. Cela veut dire que nos confessions religieuses doivent rechercher à retrouver leur crédibilité. Ça, je l'ai dit tout haut et fort. Ils doivent chercher à retrouver leur crédibilité. C'est une question de crédibilité. Quand les confessions religieuses peuvent être manipulées, n'est-ce pas, peuvent être déstabilisées, peuvent être faites comme des marionnettes, il est difficile que nous puissions croire dans leur crédibilité. Est-ce que pensez-vous qu'on puisse arriver à un consensus concernant le choix du président, du futur président de la CENI par rapport Je souhaite qu'il y ait un consensus, mais ce consensus va cacher le mal à l'intérieur, parce que le malaise est là. Vous comprenez un peu ça? Le malaise est là, qu'on ne se voile pas la face. Je souhaite, c'est mon souhait. Les autres peuvent dire, voilà, la charte nous dit, voilà, on a atteint l'unanimité, la majorité, on ne tient pas compte des catholiques, on ne tient pas compte de protestants. Nous votons, nous proposons notre candidat, le PV signé est ignoré. Nous allons encore nous retrouver encore, comme dans les histoires de l'Assemblée nationale, nous allons nous retrouver encore dans toutes ces histoires-là qui ne sont pas crédibles, n'est-ce pas? Et pourtant, nous sommes en train aujourd'hui de saper notre démocratie. Nous sommes en train aujourd'hui de réduire notre démocratie. Je pense, les candidats, les futurs candidats en 2023, on n'a pas besoin de créer des petits pièges pour disqualifier les gens. On n'a pas besoin de préparer des terrains en faveur d'une personne, mais que les gens puissent se présenter et que celui qui sera valable, qu'il puisse remporter les élections. Vous comprenez un peu ça? Mais pourquoi nous voulons nous battre au niveau? Ok, les gens parlent de l'option tribale. Je ne crois pas tellement que le problème tribal peut poser un problème, parce que aujourd'hui, je rentre en 2006, Mulunda était là, il était là. Il était un homme qui avait un penchant du PPRD. Le président candidat Joseph Kabila était Moulouba 4. Mais où était le problème? Aujourd'hui, un Kassaïen peut prendre. Moi, je n'ai pas un problème comme celui dont le nom dont on est dans les cités, que je préfère ne pas citer. Les gens disent, voilà, c'est un Kassaïen. Mais non, mais ça, c'est un combat primaire. Si on doit rentrer au niveau de problèmes tribal, ça, c'est un problème primaire. C'est vrai, dans notre conjoncture, dans la configuration de notre pays, il y a cette réalité tribale. Mais je ne pense pas. Nous devons tabler sur la méritocratie. C'est ça la vérité. Ils ont des comptes à rendre. On doit dépolitiser, monsieur le journaliste, on doit dépolitiser les confessions religieuses. C'est ça le problème. Les gens qui doivent mener ce choix, ça doit être un choix qui est clair, qui est sain. Et lorsque les confessions religieuses sont dépolitisées, je pense qu'il pourra arriver à un consensus. Et comme dit leur charte, quand il n'y a pas de consensus, il y aura une élection crédible que nous allons tous accepter. Le problème, c'est celui-là, dépolitiser les confessions religieuses. Mais dans le cas actuel, voyons voir là où nous sommes en train d'aller. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de casse-tête. Espérons que Dieu va aider la République démocratique du Congo et que nous puissions arriver à un arrangement et qu'on puisse trouver quelqu'un de crédible pour conduire les élections. Voilà, je crois Bolandi. Donc, les 48 heures expirent aujourd'hui. On attend voir ce que ça va donner, Bandeko Nangai. On attend voir ce que ça va donner. Wana Boyoki Balobi, comment va réussir, va détailler, va expliquer, je crois Boyoki. En commentaire à Kousalate. Ce qui reste à faire, c'est de vous demander, comme Naïf Sakabili, de vous abonner. S'il vous plaît, pardon à Sengeyo, abonnez-vous. Aux autres les vidéos, mais aux abonnés, abonne-toi d'abord à la chaîne. N'amonez-vous s'abonner, merci. Mais partagez, n'amonez-vous. Bondelaye, yebisaye, s'abonner à la chaîne pour rater l'actualité. Mais ce qui peut aussi laisser, aimer, commenter. J'attends votre contribution. Chaque jour, on a besoin. On a beaucoup besoin. Il y a aide. Il y a des besoins droit au cœur. Les gens qui prétendent nous soutenir, vous qui nous aimez, vous avez la contribution. Parce que si Dieu ne revenait pas, on a causé le sous-sous. La prochaine numéro pour nous sur le Nabil. Restez branchés, même KBS officiel, la voix des 100 voix. Produit Nayo,
publicité nayo likambo nayo moko boy. On est là pour vous servir. Contactez biso le numéro zawa na na ba écran nayo okozwa biso 24h/24. Dieu garde le Congo. À la prochaine. Bye.